Hey, salut à tous et à tous, Alex, comment vous allez? Écoutez-moi, ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, la suite de notre Tour de France avec l'équipe Movistar. Aujourd'hui, l'étape entre Moirans en montagne et Berne. 208 km pour arriver en Suisse à Berne. Voilà, petite escale en Suisse. Demain, on aura le jour de repos qui sera à Berne. Et ensuite, mercredi, l'étape entre Berne et Fino et Mousson. Étape 100% Suisse, donc une petite bosse sur la fin de cette étape. Juste avant que ça commence, je vais juste vous dire que il y a eu un petit problème, c'est-à-dire que j'étais dans les 10 derniers kilomètres, j'étais en train de finir et je regarde vite mon écran d'ordi et là je vois que le logiciel était en train de crasher, donc le logiciel a crashé, ce qui fait que pour le coup on a le gameplay il est perdu, donc de toute façon on n'avait pas fini l'étape, mais pour le coup les 50 derniers kilomètres ils sont un petit peu morts, donc je pense que ça fera plutôt les 20 derniers kilomètres grâce à save automatique. Donc on est parti. On va voir un petit peu le tracé de cette étape. C'est quand même dommage de pas avoir l'étape en les 50 derniers kilomètres. Sur le sprint intermédiaire, on n'avait rien fait avec Valverde, on n'avait pas marqué de points. Il y avait une échappée à 7 devant. Il y avait deux Volder, Morkov, Martins, Mollard pour notre équipe Mallory. Il y avait également Denis, il me semble que c'est tout, si je les ai tous cités, je ne sais pas du tout. Greppel, Kittel et Degenkolb sont les favoris de la journée, normal. Degenkolb peut-être un peu plus parce que ça arrive quand même en boss. Et Degenkolb c'est un sprinter qui aime bien les finishes en boss et qui passe bien les boss. Il a quand même déjà gagné Milan San Remo et il aime bien les finishes en boss. Donc pourquoi pas pour Degenkolb. En tout cas nous on va prendre notre ami Roras pour jouer le sprint final. Voilà, 20 km 800. C'est les 20 derniers kilomètres que l'on joue avec Roras. Mallory était dans l'échappée. Denis, il y a Powells aussi, c'est celui que j'avais oublié. Et il y a quelques coureurs quand même lâchés. Donc voilà, là on reprend Morkov. Hein, qui était distancé. Mallory, c'est impossible hein, qu'il aille au bout. Le groupe Adriano Mallory. Chris Froome là avec le dossard numéro 1, maillot à poids qui a perdu sa tunique jaune hier avec une superbe étape de Nairo Quintana. Nairo Quintana qui doit être au chaud là-bas je pense. On ne l'aperçoit pas. Et Nairo Quintana qui doit être bien quand même. La formation ETX qui roule. On aperçoit John Degenkolb juste derrière. Sagan qui remonte, ça peut être une arrivée pour lui aussi Peter Sagan. Mais il y a surtout les ETX qui roulent avec Tony Martin. Le Panzer, Brad Cucarella bien placé, Ferrari qui roule, Galopin également maintenant, les équipes de sprinteurs là qui vont se mettre en place pour condamner cette échappée. Ioannis Aguirre, son numéro 17 bien placé. Allez Roras, est-ce que tu peux nous faire un bon sprint? C'est vrai qu'on l'a jamais contrôlé quasiment, Rosero Joaquim Roras. Là par contre il n'y a quasiment plus de jus du côté de mon équipe déjà. Donc attention quand même, 14 km de l'arrivée, on voit quand même la bosse, si on zoome bien le profil, on voit qu'il y a la légère petite bosse à la fin. Là ça va un petit peu monter aussi. Boris Bogitz qui accélère, l'équipe Cofidis qui va peut-être lancer le sprint, Caleb Ewan aussi. Allez Tony Martin qui continue son travail. Roras qui est bien placé pour le moment, le coureur espagnol. Champion d'Espagne d'ailleurs, maintenant on le sait, mais vu que les maillots sont modifiés, bah avec les modifications des noms et des maillots ne s'applique pas sur une partie déjà commencée malheureusement. Donc même en mode pro team, on se contentera des maillots de champion nationaux 2015. C'est un petit peu dommage. 10 km de l'arrivée, ça s'arrête un petit peu de rouler. Mallory il est pas mal quand même devant, je pense, hein, mais ça n'ira pas au bout. 40 secondes. Là, ça va, on les aperçoit en point de mire. Là, un petit peu moins parce qu'il y a un virage. Mais là, on va encore les avoir en face de nous. Les coureurs qui étaient dans l'échappée du jour. Ouais, il y a quand même 30 secondes. Là, la 30 secondes, c'est terminé pour eux. On arrive à Berne pour le final de cette étape. 8 km encore. Tony Martin qui fait une étape de folie pour le moment, qui fait un gros travail Tony Martin pour revenir. Le Panzer
et c'est Nikita Hastra là qui vient relayer. Jens de Boscher également. Allez, là ça accélère fort. Là ça accélère fort par contre avec Nikita Hastra. Peter Sagan, le meilleur champion du monde, bien placé. Ça va revenir très très rapidement là sur cette échappée. Et on va être bientôt au pied de cette dernière difficulté du jour à Berne. 5 secondes. C'était Rudy Mollard qui l'avait tenté, mais c'est terminé. C'est super beau en tout cas là pour le moment. L'emballage final qui va commencer. Allez, 2 400 km là. On est très très bien placé pour le moment. Allez, on prend le gel et on va un petit peu lancer. Et ouais, mais on a plus de jus nous. Oh non, on n'a plus de jus, j'avais pas fait gaffe ça qu'on avait plus d'énergie. Valverde qui en a plus non plus. Bon bah tant pis. On va terminer comme ça, écoutez. Victoire devant de John de Gennkol, voilà, devant Nasser Boigny et Peter Sagan. Et j'avais pas fait attention qu'on avait plus de jus, c'est dommage. On finit assez loin. Bah pour le coup, c'est très très dommage. J'ai pas surveillé assez ma barre. Je pensais qu'on en avait encore quand même. Hein. J'ai peut-être un petit peu roulé fort, il fallait peut-être que je reste un petit peu plus loin. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est quand même une belle étape là qu'on a réalisée avec notre coureur. Donc il n'y a pas de souci à se faire. On va juste regarder au général s'il n'y a pas de favoris qui ont perdu du temps. Je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Ce qui fait donc Quintana toujours en jaune, Valverde toujours en vert, Quintana toujours avec le maillot à poids qui sera porté par Chris Froome, le dauphin de Quintana dans ce classement. De Gennkol devant Boigny, Sagan, Greipel, Kittel, Cavendish démarre, Christophe Coquart, Van Avermaet. Pas eu tant d'écart que ça, je pense quand même. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de. Il n'y a aucune perte de place dans les 20 premiers, même dans les 30 premiers. Ça reste bien pour le moment. Voilà. Demain, c'est donc journée de repos. Je ne sais pas si je sortirai une vidéo. Donc, mercredi, on se retrouvera pour l'étape entre Berne et Finot et Mausson. Voilà, grosse étape Contador qui fait partie des favoris. On s'en souvient que sur le Dauphiné 2014, il avait fait une très très belle étape qui arrivait d'ailleurs au même endroit. Donc Contador quand même est à surveiller. C'est vraiment un gros client. Donc faut faire attention. Et mercredi, ça va être une très belle étape, je pense. Le classement général qui va une nouvelle fois être en jeu. Et ça sera une des dernières étapes. Enfin, non, ce sera plus une des dernières parce qu'il y a quand même ce contre-la-montre où ça va vraiment se jouer également. Cette étape aussi, ça va vraiment se jouer. Et la dernière étape de montagne, juste avant l'arrivée à Paris, qui pourrait totalement relancer les cartes. On se dit donc rendez-vous mercredi pour cette étape entre Berne et Finot et Mausson, qui sera sans doute une très belle étape. Je vous dis donc à mercredi. Portez-vous bien et à la mercredi. Ciao !